Pour comprendre la position de l'artiste engagé et défenseur des droits de l'homme, il s'oppose radicalement à la déclaration de Yaoundé, ajoutant que le Cameroun est à construire et non à détruire. L'ambassadeur Pierre Roger, de son vrai nom, a rendu public ce jeudi à Douala sa position à travers une déclaration. La déclaration d'un Gataman donne sa vision globale des élections. Il se considère comme le 24e candidat, mais un candidat particulier qui aura appelé les Camerounais à voter nul. Les premiers éléments sur le faible taux de participation en attendant la sortie officielle et les chiffres de la Cour suprême établissent selon lui sa victoire. Il parle d'ailleurs du vote du 9 octobre dernier comme un vote sanction parce que, dit-il, les Camerounais se sont lassés de l'opposition et du régime en place. Les CAS ne sont pas pour lui une solution dans le cadre de l'alternance. Il vous souvient qu'en 1991, j'ai perdu tous mes biens parce que je suis allé à la télévision et j'ai dit non. Les gens qui demandent aux enfants d'aller dans la rue, eux-mêmes sont dans leur maison, feutrés. Ils envoient les enfants en Europe et ils ont des congélateurs pleins de nourriture dont ils peuvent tenir. Mais les pauvres Camerounais dans la ville, dans la rue, qui vivent au jour le jour, ils vont faire comment pour tenir une semaine, deux semaines? La bureau de Mbanga affirme que le 9 octobre était tout sauf une élection, sans pour autant cautionner la démarche des sept mousquetaires de Yaoundé, comme il les appelle. Tout était fait, tout était mis en place pour que toute l'opposition n'ait même pas 5%. Il le savait. Il le savait très bien. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés? C'est de ça qu'il s'agit. Ma position est celle-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés, sachant que tout est foutu d'avance? Et si on a décidé d'y aller, alors on assume. Ils souhaitent voir la dynamique unitaire naissante qui ont fait en 2012. Les législatives et les municipales peuvent aussi garantir l'alternance souhaitée. Sinon, la bureau de Mbanga propose aux signataires de la déclaration de Yaoundé d'engager une grève de la faim eux-mêmes, ou alors, en ironisant peut-être, de s'immoler au lieu d'appeler les enfants des autres à aller servir des chairs à canon dans la rue.